Le blindé de demain officiellement présenté à Versailles, la ministre des Armées Florence Parly était ce mercredi 4 juillet sur le plateau de Satory pour réceptionner les 6 premiers Griffons, un véhicule clé du programme Scorpion qui renouvelle la gamme de l'armée de terre. Le véhicule Griffon, qui est un véhicule qui a vocation à remplacer les VAB, les véhicules de l'avant blindé, qui ont rendu de très bons et loyaux services à nos armées, qui ont maintenant près de 40 ans, et qui sont prêts, si je puis dire, de la retraite. Le véhicule multirôle servira notamment à transporter des troupes. L'engin a été conçu en partie dans l'entreprise Nexter sur le plateau de Satory, un site qui regroupe plus de 1000 collaborateurs. Ici à Versailles, nous avons la direction générale de la société, le bureau d'études, qui travaille depuis des années sur la conception de ces véhicules, ainsi que les services achats, soutien et les différents services de la direction générale. Donc c'est véritablement la tête de Nexter qui est ici, même si les usines se trouvent dans différents départements français. Au total, près de 1900 véhicules de type Griffon seront livrés d'ici 2030. Le blindé sera utilisé dans un premier temps dans la formation des militaires. Il sera déployé sur le terrain à partir de 2021.